Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point de mes lectures de la semaine. Il y a un petit peu moins parce que la semaine a été un petit peu compliquée, donc j'étais moins motivée à lire. Ça arrive, mais j'ai quand même pu terminer des lectures en cours et lire quelques BD, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà la petite pile, on a BD et roman. On va attaquer tout de suite, je pense pas que c'est un point lecture qui va durer des heures. Après, c'est comme ça, ça arrive et ça changera un petit peu des vidéos longues. Je vais démarrer avec celui-ci que j'ai lu. J'avais besoin d'un petit peu de réconfort et ça c'est les petites lectures que j'ai déjà faites des dizaines de fois mais qui fonctionnent toujours très bien. Je m'étais lancée dans ma lecture de ces ouvrages. J'avais lu le premier et le second tome, pas encore le troisième dans cette édition. C'est chose faite, c'est donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling aux éditions Gallimard avec les très belles illustrations de Jim Kay. Je pense que vous connaissez. Ils sont assez célèbres ces ouvrages et ils sont absolument magnifiques. J'ai pu les découvrir avec les magnifiques illustrations. Je vous ai fait un petit plan au début où je vous montre un petit peu ce que ça donne, mais ce sont vraiment des livres magnifiques que vous connaissez très certainement. Donc je ne vais pas plus m'épancher là-dessus. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et franchement, ça en vaut la peine parce que y a plein de petits détails. À chaque fois, c'est vraiment très très beau. Très 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 beau. Donc j'ai fait cette lecture, je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter cette histoire, de vous faire le résumé de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc je vais passer à la lecture suivante, mais en tout cas je me suis régalée avec ce livre et il m'a vraiment fait du bien. Alors je vais poursuivre avec les bandes dessinées. J'ai fait la lecture de celui-ci qui est L'apprenti épouvanteur, c'est donc de selon les livres de Joseph Delaney. Ici c'est fait par Pierre Hortel et Benjamin Bachelier. C'est aux éditions Bande d'ado. Je vous ai parlé de L'apprenti épouvanteur parce que je suis en train de lire les romans. D'ailleurs, il me reste le 15 et le 16 à lire que j'ai en ma possession. Le 16 était enfin disponible à la bibliothèque. J'avais beaucoup hésité quand les BD étaient sortis, à savoir est-ce que je me lançais dans cette collection. J'avais beaucoup beaucoup hésité et finalement j'ai trouvé celui-ci sur Vinted pour un prix dérisoire et ça m'a donné envie de le prendre et le découvrir directement sur la lancée. Au niveau des planches, bon c'est pas le dessin que je préfère, mais je trouve que ça fonctionne bien avec le récit, avec l'histoire. Ça a un côté très très sombre, vous voyez, au niveau des couleurs, mais ça colle parfaitement à l'ambiance du roman. Voilà un petit peu, je pense que vous connaissez L'apprenti épouvanteur. En tout cas, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Et j'ai beaucoup apprécié cette petite BD qui est très fidèle au premier tome, au premier livre. Donc c'était impeccable. J'ai beaucoup apprécié découvrir l'histoire via la BD. Et ça peut être une solution si vous n'avez pas envie de vous lancer dans le roman. Ben, sachez que la BD est très fidèle et qu'elle est vraiment très agréable à lire. L'autre BD que j'ai lu, c'est celui-ci, c'est donc Le Trésor des Terres de Ruin. C'est aux éditions Aventuriers d'ailleurs et c'est fait par Derek Laufman. Alors ça, c'est pas une BD qui m'appartient, c'est une BD de mon copain qu'il a reçue ici pour son anniversaire et ben, j'avais envie de la découvrir et franchement c'était très choupinou. Alors pour la petite histoire, on va suivre un petit groupe de petits personnages très sympathiques qui vont prendre part à une aventure. Voilà un petit peu l'histoire, le résumé. Donc on va suivre un petit duo qui est constitué par un petit renard et par un petit cochon qui vont tomber sur une carte au trésor. Cette carte est censé les mener jusqu'à la cachette d'un légendaire pirate qui possédait des pouvoirs magiques et qu'il a utilisé pour pas des très bonnes intentions. Mais du coup, ils vont se lancer dans cette quête à la recherche de ce fameuse cachette, étant donné qu'il y a énormément de trésors d'or qui y sont amassés. Voilà, on suit l'aventure de ces petits personnages. On a ce duo principal, il y a d'autres personnages qui vont arriver et qui vont se coller à eux pour la suite des aventures.
aventure et franchement c'était mignon comme tout, c'est très agréable à lire. C'est pour de la jeunesse, plutôt pour un public plutôt jeunesse, mais en tant qu'adulte j'ai apprécié la découverte et suivre ces petits personnages. Les dessins sont magnifiques, tout comme les couleurs, je vous montre un petit peu, mais c'est très coloré et c'est vraiment très très beau, il y a plein de détails. Le travail de graphisme est vraiment top et vraiment magnifique. En tout cas moi j'ai adoré, c'est tout mignon, c'est bien fait. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, mais vous voyez, voilà, c'est plein de couleurs. On ne s'ennuie pas, l'histoire démarre directement sur les chapeaux de roue. Il y a plein d'actions, il y a plein de choses qui se passent. Après, l'histoire n'est pas super originale, hein, on est dans une quête, ça fait un petit peu recherche d'un trésor. Donc, on a déjà vu ça des millions de fois. Mais franchement, c'est très bien fait, c'est agréable à suivre. Moi, j'ai passé un très très bon moment et les personnages sont trop choux, ils sont trop attachants. C'est ça aussi qui fait le gros plus de cette BD à mon sens. On a aussi des petits clins d'œil aux jeux vidéo, on a aussi des petits clins d'œil à Lovecraft. Je vous montre par exemple, voilà, au chapitre on a ce genre de petite présentation avec une carte, un personnage avec ses forces, ses faiblesses, vraiment comme un jeu de société, un jeu vidéo, et c'est très très sympa. Donc voilà pour celui-ci que je peux vous recommander les yeux fermés, parce que moi j'ai passé un bon moment et pour un public plus jeune je pense qu'ils adorent. Je vous ai pas dit, mais avantage, c'est un one shot, donc c'est pas une série, on a une BD et une histoire et puis c'est clôturé. Donc voilà pour cette BD-ci. Je vais passer au roman et j'ai deux très bonnes, même excellentes lectures pour l'une des deux, et alors j'ai une lecture qui l'a pas fait. Donc je vais commencer avec la mauvaise, qui est celle-ci. C'est donc Le guérisseur de cathédrale de Philippe K. Dick aux éditions J'ai lu. Très très belle couverture, c'est ça qui m'avait intéressé, c'est un livre de science-fiction. Le résumé me tentait beaucoup et malheureusement je n'aimais pas du tout aimé cette lecture. Heureusement qu'il est petit, qu'il est court, parce que sinon j'aurais abandonné. Et il faut savoir qu'on a deux histoires, donc c'est plutôt des nouvelles, parce qu'on a Le guérisseur de cathédrale et on a une seconde histoire qui est Nick et le Glimmunk. Donc voilà, ça permet de raccourcir un peu le texte et heureusement, parce que sinon je n'aurais pas continué. Je vous montre ce que ça donne, voilà. Donc ici cette partie là principale c'est Le guérisseur de cathédrale et ici c'est Nick et le Glimmung. Donc en final c'est un livre qui fait 300 pages environ, 315 pages. Ça va, mais ça a été compliqué pour ma part. Donc au niveau de la petite histoire du guérisseur de cathédrale, on va suivre Joe Fernwhite, qui est un homme qui a un talent. Son talent, c'est de guérir les objets. Et il est très doué dans son domaine. Le souci, c'est qu'on est à une époque, on est dans le futur. Et le problème, c'est que à cette époque, eh bien, les belles choses n'intéressent plus grand monde. Et du coup, personne ne fait appel à ses services. Il est donc assez démuni, assez dépité, le moral est vraiment pas au beau fixe et il a vraiment du mal dans cette société déjà à vivre, et moralement c'est très compliqué. On est dans une société aussi qui est extrêmement tyrannique, qui est très oppressante, qui est très directive, qui surveille les faits et gestes de chacun, donc l'atmosphère est pas très agréable. Et un jour il va recevoir un message caché, un message qui vient de l'espace. En fait, une entité extraterrestre le sollicite, désire l'engager afin de restaurer une cathédrale qui se trouve au fond de l'océan sur une autre planète. Il n'est pas le seul à avoir reçu cette invitation, il y a d'autres personnes qui sont également expertes dans leur domaine qui ont été sollicités, et du coup Joe va décider d'accepter et de partir pour cette nouvelle planète afin de faire cette mission. Voilà un petit peu pour le guérisseur de cathédrale. La petite nouvelle qui suit, donc Nick et le Glimmunk, elle est sur la même planète, dans le même univers avec d'autres personnages. C'est une famille là qui va décider de quitter la Terre de nouveau parce que des raisons trop tyranniques, les animaux domestiques ne sont pas autorisés, et on suit une famille dont le jeune garçon qui s'appelle Nick a un chat.
Et c'est interdit, donc ça fait plusieurs temps que ce chat est caché chez eux et un jour il va sortir et on va le remarquer. Du coup, la décision légale, c'est de se débarrasser du chat parce que cette situation n'est pas autorisée et la famille de Nick est attachée à son chat. Et donc ils vont décider de partir sur une nouvelle planète pour recommencer leur vie et être plus libres de leurs choix, de leurs décisions. Et ils vont arriver sur cette nouvelle planète. Et là, il va y avoir des soucis de tout genre. Donc, c'est un peu, c'est assez similaire au niveau du récit. Donc voilà pour les résumés de ces deux petites nouvelles. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas apprécié, ça a fait un gros flop, ça n'a pas fonctionné avec moi. J'ai trouvé ces deux récits en fait très peu structurés, chaotiques. Parfois c'était assez fouillis, je trouve que ça partait dans tous les sens, il y avait plein de choses qui ne nous étaient pas expliquées et qui étaient importantes je pense. C'était important d'avoir des explications, de se situer dans ce récit. Là on était vraiment propulsé quelque part sans aucune explication et du coup ça a été compliqué pour la compréhension. La première histoire, donc le guérisseur de cathédrale, c'est plutôt un récit qui s'adresse à un public adulte, tandis que la seconde, c'est plutôt un récit qui s'adresse à un public très jeune. C'est aussi assez perturbant d'avoir ces deux types de public. C'était pas dérangeant, mais bon, c'était un petit peu perturbant quand même. Personnellement, j'ai vraiment eu du mal avec le récit des deux nouvelles et également avec la plume. Je n'ai pas adhéré avec cet univers, je n'ai pas adhéré avec cette histoire. J'ai vraiment eu du mal du début à la fin. C'est un livre qui se trouvait dans mon challenge de 24 livres pour 2024. Donc c'est ça aussi qui m'a poussée à le continuer. Mais franchement, s'il aurait fait le double de cette taille, je l'aurais abandonné parce que avec moi, ça l'a pas fait. Je suis peut-être passée mais complètement à côté de cette lecture. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai pas adhéré. La chose intéressante, c'était l'idée justement de l'évolution de cette société qui devient extrêmement tyrannique, oppressante, etc. Ça, c'était intéressant, mais très peu exploité parce qu'on en parle qu'au début et après on change de planète. Et là, c'est parti complètement dans tous les sens. Moi, j'ai vraiment pas accroché avec ce livre autant dans la première que dans la seconde histoire. Malheureusement, c'était un premier essai avec cet auteur. C'est un peu dommage parce que du coup, ce sera peut-être le dernier. Là, en tout cas, ça ne me donne pas envie de tenter d'autres livres. Et si ça se trouve, je devrais parce que j'ai peut-être pas commencé par le meilleur. Donc, si jamais vous connaissez cet auteur et que vous avez apprécié des titres de celui-ci, n'hésitez pas à me le dire. Je retenterai peut-être ultérieurement. Mais là, en tout cas, je suis légèrement refroidie par cette lecture. Je passe à la suivante, très bonne lecture, c'est celui-ci, c'est Le Cycle des Secrets, le premier tome qui est La Marche des Géants de Manon Fargeton, aux éditions Gallimard Jeunesse. Vous connaissez ce livre, hein, vous l'avez vu passer un peu partout je pense, et c'était une de mes lectures en cours, je vous en avais parlé. On a un très joli jaspage bleu qui s'en va, malheureusement. La police, l'écriture était très très grande, la mise en page très aérée. Je l'ai donc terminé assez rapidement et ce fut une très très chouette surprise. Donc c'est un premier tome et dans celui-ci, nous sommes dans la cité d'Alethea qui est en conflit avec l'empire voisin. Et on va suivre Laura qui est une jeune fille qui appartient au clan des marins. Il y a plusieurs clans dans cet univers, dans cette société. Et elle a du mal à trouver sa place. Clairement, elle a beaucoup de difficultés à trouver son rôle, à trouver sa place. Mais en plus de ça, il y a également un autre souci, c'est qu'il y a un danger qui menace Alethea, donc la cité, à savoir les magiciens. Parce que nous sommes dans un monde où la magie et les magiciens sont présents. Ceux-ci mènent depuis très longtemps, depuis des années, si pas des siècles, se font une lutte acharnée. Et parmi ces magiciens, on va suivre Equinox, qui a un don. Sa magie, en fait, son pouvoir,
lui vient des secrets de ses victimes. Donc elle collecte les secrets, et au plus elle a de secrets importants et bien cachés, au plus son pouvoir est important. Donc on suit cette mage qui en fait se prépare à une grosse lutte avec d'autres magiciens, et en même temps bah, elle collecte ses petits secrets dans la cité de Aletheia. Et ces deux personnages vont se rencontrer, donc Laura et Equinox vont se rencontrer, et Equinox va confier un secret à Laura. Voilà pour le récit, le petit résumé, je m'arrête là parce qu'il faut pas trop en dire non plus, mais comme ça vous avez un petit peu le cadre, et j'ai beaucoup apprécié, c'était une très très chouette découverte. C'est un premier tome très réussi, ça se lit très bien, bon en plus du fait que la mise en page est grande et aérée, la plume est très agréable, ça se lit tout seul, j'ai beaucoup apprécié l'univers, j'ai aussi apprécié l'idée de la magie qui soit associée au secret. Moi, c'est la première fois que je vois ça, donc ça innove, c'est très agréable. Premier tome, très prometteur, donc on a des personnages qui sont intéressants. Par contre, c'est vrai que je dois vous dire, ce qui peut freiner un petit peu, c'est que les choses se mettent en place de manière très lente. Il n'y a pas énormément d'action en fait dans ce premier tome. On démarre assez bien avec un prologue qui met pas mal d'action, qui nous apprend pas mal de choses. Et puis après, on change de cadre, on se trouve dans la cité d'Aletheia. Et là, ben, les choses se mettent en place beaucoup plus tranquillement. Il y a moins d'action, c'est plus du placement, c'est plus de la découverte des personnages, la découverte des enjeux, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui où il y a un rythme effréné tout le temps. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que j'ai apprécié en fait ce petit voyage. Et en plus, comme c'est un premier tome, moi, ça me dérange pas qu'on passe du temps à introduire les choses, à placer les choses. Je préfère ça, qu'on ait un cadre bien structuré, défini, et que après l'histoire avance et que le rythme s'accélère, plutôt que l'inverse, arriver avec un rythme de fou où tout nous est jeté à la figure entre guillemets, qu'on comprenne rien et qu'on soit un peu perdu tout au long de la lecture. Ici, ça prend du temps. Ça s'adresse aussi à un public jeunesse. Donc c'est logique de prendre son temps pour cadrer les choses, pour expliquer les choses. Donc moi ça m'a pas dérangé, mais sachez-le, ne vous attendez pas à un récit qui va directement vous emmener à une vitesse effrénée. C'est pas le cas dans ce premier tome, voilà. C'est dit. Mais avec moi, ça a bien fonctionné. Comme vous l'avez compris, je pense, j'ai le second tome dans ma palle parce que comme j'appréciais cette lecture, j'ai regardé celui-ci, je l'avais trouvé sur Vinted en très très bon état. Oui, il y a juste le jaspage qui s'est un petit peu encouru, mais c'est le cas pour tous les livres. Je m'étais renseignée. Donc même un livre neuf, après une lecture, le souci du jaspage était présent. Donc je me suis dit, ben tant pis. Et du coup, je me suis aussi acheté le deuxième tome sur Vinted pour pouvoir continuer la série. Je sais pas du tout combien de tomes il y aura. Possible que ce soit une trilogie, mais sans certitude aucune. Bref, je vais poursuivre parce que j'ai vraiment bien apprécié cette histoire et j'aimerais savoir ce qui va se passer à cette lutte avec les magiciens qui arrivent. Tout ce qui concerne Laura, qui est un personnage très intéressant que j'ai beaucoup apprécié découvrir et suivre, donc je vais continuer cela. Et la surprise de la semaine, c'est celui-ci. J'ai terminé mon écoute audio de Force Wing de Rebecca Yarros aux éditions Hugo, qui est magnifique. J'ai cette version-ci, je l'avais directement sélectionnée et reçue en cadeau, je pense que je vous l'avais dit. Je l'avais sélectionnée en relié et je suis très très contente parce que le livre est vraiment magnifique. Sans doute que vous l'avez lu ou que vous l'avez chez vous, mais je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des illustrations à l'intérieur. C'est vraiment un livre magnifique et en plus j'ai adoré. Donc ça c'est tout bon parce que j'avais un petit peu peur. J'avais un petit peu peur de me lancer dans cette lecture parce que j'en avais entendu tellement de bien. Que j'avais peur de du coup pas spécialement apprécier, surtout qu'on m'avait averti qu'il y avait des scènes de fesses, etc. Et tout ça c'est pas trop mon genre de lecture. Après si ça sert le roman, si c'est bien fait ça va, mais je veux dire si c'est que ça, ça allait me saouler. Et j'ai tenté
Et heureusement, en tout cas, ce fut une bonne idée parce que j'ai adoré cette lecture. L'écoute est parfaite, ça se lit tout, enfin, ça s'entend tout seul. Et j'ai adoré suivre cette histoire. Donc, je vous fais un petit topo. En fait, on va suivre Violette Sorengai. Violette avait comme ambition, en tout cas comme projet, d'intégrer le cadran des scribes et de vouer sa vie aux livres parce qu'elle adore les livres, elle adore la connaissance, elle adore apprendre. Et son objectif de vie, c'était de faire cela, d'être entourée de livres et de faire ce qu'elle apprécie au final. Mais sa mère, qui est générale dans cet univers, qui est cavalière, qui est dragonnière, et du coup générale des armées, ne l'entend pas de cette oreille. Elle va lui imposer de participer aux épreuves de sélection afin de devenir une dragonnière. Le souci, c'est que de 1, Violette, c'est pas du tout ça qu'elle souhaitait faire, et de 2, c'est qu'elle a un petit souci de santé, à savoir qu'elle a les os extrêmement fragiles, donc au moindre choc, ses os peuvent se briser. Et évidemment, être dragonnier, il faut être assez solide et fort physiquement. Donc elle est un petit peu perplexe par rapport à la décision de sa mère, mais elle n'a pas trop le choix. Donc elle va devoir participer à ces épreuves qui en plus sont loin d'être cool et faciles, parce que ces épreuves, elles sont extrêmement brutales, extrêmement violentes, et il y a plein de candidats qui meurent en fait à ces épreuves. C'est vraiment une curée. Ceux qui sont pas assez forts, ils sont tués d'une manière ou d'une autre pendant les épreuves, et restent que les forts et les survivants. Donc Violette est jetée là-dedans. On va la suivre là-dedans, et comme je vous l'ai dit, ça va pas être de tout repos, ce sera un chemin qui sera mené d'embûches, de dangers, de violences. Donc on va la suivre là-dedans. Je vais pas plus loin pour le résumer, parce que moi je me suis lancée dans cette lecture sans trop en savoir. En plus, à l'arrière, il n'y a pas grand chose qui est mis. Alors oui, c'est vrai, on a le petit résumé, vous savez, qui est mis ici sur le rabat intérieur. Mais du coup, si vous avez l'opportunité de pas le lire... Et au dos, il y a juste trois petites phrases assez énigmatiques. Moi, je m'étais arrêtée sur ces trois petites phrases énigmatiques. Et puis, je m'étais lancée à l'aveugle. Et ça m'a beaucoup plu de le faire comme ça. Parce que je savais pas dans quoi je me lançais. J'avais entendu deux, trois choses, mais rien de plus. Je savais que ça allait parler de dragon, mais rien d'autre. Et c'était génial, j'ai adoré cette lecture. Je pense que j'ai mis un 19 sur Livre Addict. Parce que c'est pas un coup de cœur, mais franchement, c'est une... top lecture, c'est vraiment génial, j'ai adoré. On a donc un récit où il se passe énormément de choses, donc ça c'est l'opposé du cycle des secrets. Là on a énormément d'action, on a de la violence aussi, donc sachez-le si vous pouvez être heurté, parce que les personnages ne sont pas épargnés. Il y a beaucoup de violence, il y a du sang, il y a des choses qui se passent. C'est pas gore, mais il y a quand même la présence de brutalité et de violence qui est fort présente. On est dans un univers qui est cruel, qui est sans merci, donc il faut le savoir. Ça va parler de dragons, bien entendu, ça va parler de magie. On est dans une école, donc c'est sympathique, on a tout cet aspect apprentissage. Il va être question d'amitié, il va être question d'amour, parce que oui, on a de la romance, mais je le savais vu que ce livre est clairement classé comme de la romantétie. Je pense que oui, c'est marqué ici. Donc je savais qu'il y avait de la romance, on m'en avait averti aussi. Donc nous avons de la romance, il y a des guerres, il y a des trahisons, il y a plein de choses dans ce roman. Au niveau de la mise en page, il est... Par contre là, on a l'inverse de l'autre, parce que c'est extrêmement petit et serré au niveau de la mise en page. Mais n'ayez crainte, ça se dévore tout seul. Moi, je l'ai écouté parce que j'avais un petit peu plus de mal à... au niveau de la lecture papier, mais franchement c'est, j'aurais pu tout à fait le lire, je pense que je l'aurais dévoré de la même façon, parce que l'histoire est vraiment prenante et vraiment rythmée. J'ai bien apprécié les personnages, j'ai adoré aussi les dragons qui ont leur personnalité également. J'ai bien apprécié cet aspect, j'ai adoré l'univers qui est intéressant, qui est mystérieux, qui est très mystérieux en fait. On n'a pas beaucoup d'informations par rapport à tout ça, donc j'attends d'en savoir plus dans le second tome, que j'ai d'ailleurs, parce que j'ai craqué en le prenant dès que je l'ai vu en librairie, parce que j'avais peur qu'il y ait plus sa version reliée.
tout simplement. Donc, je m'étais dit que j'allais le prendre au cas où et j'ai bien fait, vu que j'ai adoré le premier tome. Je vais me lancer prochainement dans la suite. Alors, au niveau de la romance, elle m'a pas dérangée, elle est fort présente et c'est un élément important de cette histoire. Mais je trouve que c'est, il y a un juste équilibre. J'ai trouvé qu'il y avait un juste équilibre. Moi, ça m'a pas saoulée d'avoir cette romance qui était installée. En fait, elle m'a bien plu au final. Alors, c'est un schéma classique. C'est un schéma où on voit les choses arriver, où on sent les choses arriver. C'est classique, mais ça fonctionne. Alors oui, il y avait des petites choses qui étaient assez évidentes. Il y a des choses que j'ai vues venir, mais par contre, il y a aussi des choses qui m'ont surpris. Donc c'était vraiment top, on avait ce petit mélange de choses prévisibles et non prévisibles. Moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment beaucoup apprécié les personnages et aussi des personnages secondaires. Et ces personnages sont malmenés, ils sont maltraités, ils sont brutalisés et il se passe des choses très dures dans cette lecture. Et moi ça m'a par moments vraiment chamboulée parce que j'avais un attachement à plusieurs personnages et ces personnages ne sont pas épargnés. Et du coup le lecteur n'est pas épargné non plus, donc je suis passée quand même par plusieurs émotions. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les lectures, qu'on soit tellement attaché qu'on ressente presque ce qui arrive aux personnages et qu'on soit on soit avec eux et qu'on soit autant impacté en fait par ce qui leur arrive. C'est aussi quelque chose de très agréable dans des lectures et c'est ça aussi qui fait les très très bonnes lectures. Donc pour moi ça a été un carton plein avec ce titre, comme vous l'avez sans doute compris. Donc voilà pour cette histoire, je vous l'ai dit, donc public averti, public adulte, car beaucoup de violence et des scènes de fesses quand même pas mal détaillées. Donc voilà, à pas mettre entre toutes les mains, mais aussi non, c'était vraiment top, j'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'il y a un avis assez tranché, il y a beaucoup de personnes qui ont adhéré mais aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié. Moi ça a fonctionné, donc voici pour celui-ci. On a fait déjà le tour de mes lectures faites cette semaine, je vais passer à mes lectures en cours. Petit point rapide sur mes lectures audio, je suis toujours dans Les 7 sœurs avec le premier tome de celui-ci de Lucinda Riley. J'ai pas avancé davantage vu que j'ai terminé mon écoute de Force Wing. Ou sinon, j'ai un petit peu avancé dans le Pat Conroy, Le Prince des Marais. Je suis arrivée à la page 400 et des un peu plus de 400 pages sur un pavé qui en fait 1000. Pour l'instant, ça me plaît bien. C'est le récit d'une vie, le récit d'une famille. Donc ça prend son temps, c'est plein de moments comme ça qu'on va partager avec les personnages. Il y a un personnage qui raconte en fait l'histoire de sa famille et on l'accompagne avec des sauts dans le passé, dans le présent. Bref, ça me plaît bien pour l'instant. Ça c'est pour mes écoutes audio. Aussi non, en livre papier, je suis toujours dans Neil, le second tome, Les secrets de Neil. J'ai pas avancé dessus cette semaine. Je me suis lancée dans celui-ci qui est Son espionne royale, Amour et mort parmi les léopards. C'est le tome 13 déjà, le dernier sorti. Je vous avais dit hein, que je l'avais acheté et que j'allais pas attendre trop longtemps pour le lire parce que j'aime bien me être à jour dans cette série cozy mystery. Donc là j'ai lu plus ou moins, j'arrive à la moitié, je dois être à 40%, un truc comme ça, et j'espère bien le terminer ce week-end. En tout cas c'est prévu si mon rythme de lecture revient à la normale. Ou sinon, j'ai commencé Le Chaos dans nos veines de Cécile Cabanac aux éditions Pocket. J'ai lu un tout petit peu, franchement je suis au chapitre, il n'y a pas de chapitre, mais je suis du coup à la page 37. J'ai commencé, premier titre que je découvre de cette autrice, on verra bien si ça me plaît. J'ai aussi commencé Graceling de Christine Cachor. Ici c'est aux éditions, je ne sais pas, j'ai trouvé ces éditions là sur Vinted. Orbit, sachez que les nouvelles éditions poche sont sorties, qui sont vraiment très très jolies pour cette quadrilogie, je pense. Je crois qu'il y en a 4 de sorties et ça se lit très bien. Je suis à la page 45 mais j'ai à peine commencé.
c'est aéré et tout, donc je pense pas que ça va prendre des plombes pour se finir. Oh sinon, il y a toujours plein ciel, je suis à la moitié. J'ai un petit peu avancé, mais pas énormément, et ça j'aimerais vraiment le terminer pour la semaine prochaine pour pouvoir découvrir, parce que j'apprécie vraiment beaucoup cet univers qui est très original et les personnages qui le sont tout autant, donc j'aimerais bien continuer. Et oh sinon, je suis toujours dans Is, où j'ai lu le premier volume, c'est une intégrale qui rassemble les deux livres. J'ai lu donc le premier livre et le premier ou le deuxième chapitre, le premier chapitre du second livre. Je vous en parle de celui-ci dans le vlog que j'ai sorti mercredi. Je vous mets le petit i quelque part ici en haut parce que j'ai fait un vlog lecture où je lis pendant 24 heures. Donc là, il y a des lectures que je ne vous présente pas ici pour pas que ça fasse doublon. Mais du coup, si vous voulez avoir les explications et mon avis sur ces lectures et notamment sur le premier tome de Is, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo là. Voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. Oh, sinon, je suis allée en bibliothèque. Je peux vous faire un petit point de ce que j'ai ramené. Alors, je me suis pris la suite des Agatha Raisin. Donc j'ai donc ici le 14, le 15 et le 16, vu que j'avais lu ce que j'avais emprunté et que j'avais rendu. Je me suis dit que j'allais quand même poursuivre cette petite série de Agatha Raisin qui passe bien entre deux grosses lectures. C'est pas prise de tête, c'est pas galère. Oh sinon, je me suis pris, comme je vous l'ai dit, le 16e tome de L'apprenti épouvanteur. Le 15 était déjà emprunté. Je me suis trouvé le 16, comme ça je peux les lire l'un à la suite de l'autre et avancer et clôturer cette saga. Oh sinon, je me suis pris celui-ci qui est Chasseur d'éclairs de Abigail Michel. C'est aux éditions Hachette Roman. Je l'avais vu passer un petit peu sur les réseaux et je n'étais pas décidée à me l'acheter, mais c'est vrai que ça a l'air pas mal. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je me suis dit que j'allais tenter, c'est un premier tome je pense, donc à voir ce que ça peut donner. Et dernière chose que je me suis pris, c'est celui-ci, c'est Nos cœurs maudits de Mélissa Albert aux éditions Pocket Jeunesse. Je me rappelle avoir vu cette sortie il y a un petit moment. Et là, j'ai eu envie de découvrir ce récit. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je pense que c'est un petit peu une ambiance frissonnante comme ça à voir, parce que ça reste pour un public jeunesse. Donc, à voir ce que ça peut donner. Mais voilà pour ce que j'ai ramené de la bibliothèque. Et voilà le petit point lecture pour aujourd'hui. Je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter des lectures que vous êtes en train de faire ou des lectures que je vous ai présentées ici. N'hésitez pas, comme d'habitude, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.